Ok. Alors, cher ami, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour. Ce matin, je fais ce petit direct-là pour parler à ma petite soeur Eunice Zion, parler à mon petit frère, Ténor. Alors, je n'ai pas l'habitude de me prononcer sur tous ces genres de sujets, les sujets de couple, je n'ai pas souvent. Mais comme ça fait tellement de bruit sur les réseaux sociaux, j'ai décidé un peu de profiter et puis donner aussi quelques conseils. Parce que ce qui s'est passé, je pense que derrière ça, il y a beaucoup de choses à dire. C'est important. Ça va nous permettre aussi d'essayer de donner quelques conseils à beaucoup de couples, à beaucoup de jeunes couples. Alors, moi, en tout cas, Eunice Zion, c'est ma petite sœur que j'adore beaucoup. Elle est très intelligente. Elle sait se battre. Elle est très courageuse. Ténor aussi pareil. Je suis beaucoup leurs activités. C'est vrai que je n'ai pas encore eu le temps d'être à leur conseil un jour. Mais ce matin, je vais vraiment parler à ma petite soeur d'abord. Parce que moi, je suis bété. Je vais m'appuyer sur ma tradition. Elle dit, chez nous, les bétés là, quand des couples, des enfants sont en train de se mettre ensemble et qu'ils rêvent de construire une vie, nous, les aînés, c'est des conseils qu'on donne. Parce que pour moi, ma soeur, ma petite soeur Eunice Zion, doit être mariée à Ténor. Elle dit, moi j'ai tout suivi, hein, l'amour, les images, les photos, comment elle s'embrassait avec Ténor. En tout cas, moi j'étais très content, j'étais vraiment très content. Mais ce qui se passe ces derniers jours-là, vraiment, vraiment, j'ai pas été à l'aise, mais je me dis que souvent Dieu aussi crée des événements pour essayer d'amener les uns les autres à revoir leur comportement. Beaucoup de choses et puis à faire avancer les choses. Tu vois, tout ne doit pas être une fatalité pour moi, voilà. Tout ne doit pas être une fatalité dans la vie. Voilà, j'ai vu la vidéo de Ténor, Eunice Zion. J'ai vu la vidéo, certains disent que ça date d'un mois, de deux mois. Vous savez, moi je suis quelqu'un, je préfère dire la vérité. J'aime la vérité parce que c'est vrai, ça fait mal, mais ça guérit et ça fait souvent changer beaucoup de choses. Voilà. Nos façons de dire les choses ont permis à beaucoup de personnes de revoir beaucoup leur comportement. Alors, chers amis, j'ai écouté beaucoup de vidéos où j'ai vu les gens transformer un problème de couple à une affaire de Côte d'Ivoire, Cameroun. J'ai suivi beaucoup de Camerounais même qui menacent la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qui menacent les Camerounais. Et on veut faire une affaire de relation entre deux hommes, une affaire entre deux pays qui sont en guerre. Mais j'ai trouvé ça un peu ridicule pour ces personnes. J'ai trouvé ça un peu ridicule pour ces personnes. Ils ne sont pas les premiers qui se marient, qui sont en copain, qui sont ensemble, qui sont en concubinage ou quoi. Non. Beaucoup d'Ivoiriens vivent avec des Camerounais sans qu'il n'y ait de bruit, des Ivoiriens et d'autres pays. Donc vraiment, j'étais vraiment déçu de toutes ces vidéos où on attaque violemment Ténor, on attaque Eunice Zion. Sincèrement, moi je suis Ivoirien, je préfère qu'on dise les choses avec courage. Moi je vais dire à ma petite soeur Eunice Zion. Je vais dire à ma petite soeur Eunice Zion que j'ai regardé la vidéo et j'ai appris que même tu as porté plainte. Tu allais porter plainte à Paris et tu as porté plainte en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi j'ai appris. Moi, je suis en global. Moi, je suis ton grand frère. Je suis là pour te dire ce matin que c'est une erreur. La plainte que tu as vue. Pourquoi je vais te dire que c'est une erreur, ta plainte? Parce que Ténor là, moi je ne sais pas comment ça a commencé, ce n'est pas ça qui est important pour moi. Mais ce qui est important pour moi, c'est que, en tout cas, vous m'avez impressionné. Vous m'avez impressionné, c'était intéressant, c'était beau. C'était beau, c'était intéressant. Alors, aujourd'hui, vous allez vous séparer tant que nous, les grands frères, on est là. Je pense que c'est une bêtise. C'est une bêtise. C'est des choses qui arrivent dans tous les couples. Hein. Dans tous les couples, ça arrive. C'est-à-dire, il n'y a pas de couple ici au monde où on dit tout est parfait. Ça, ce n'est pas possible. Nul n'est parfait. Ça arrive partout. Alors, moi, je suis ici ce matin pour parler à ma petite soeur. Devant Dieu, elle a la vidéo que moi, j'ai vue là. Tu as zaï. Petite soeur, tu as zaï. Tu as zaï. Sincèrement, tu as zaï, Eunice Zion, tu as zaï. Tu m'as petit soeur, moi, je te dis la vérité, tu as zaï. Vidéo que j'ai vue là, tu as zaï. C'est vrai, je ne suis pas content de celui qui a posté la vidéo. Celui qui a posté la vidéo, l'ami de Ténor, je n'étais pas content. Mais finalement,
je suis en train de comprendre beaucoup de choses parce que ce soit en Europe, les procureurs, les juges essaient toujours de faire de sorte à dire aux gens, faire de sorte à avoir des preuves de beaucoup de choses et ça arrive. Voilà, ça arrive beaucoup. Donc je me suis dit que en faisant cette vidéo-là, le jeune voulait nous dire que, ah, voilà un problème, depuis des années, il le sait mais il n'arrive pas à régler. Il n'arrive peut-être pas à régler. Donc pour une fois, il a fait une vidéo et où il met ça aux yeux du monde entier pour que nous aussi, on s'imprègne dans cette affaire pour dire à notre petite soeur, pour dire que, ah, Zasso, voilà ce que ta petite soeur fait à Ténor depuis qu'ils sont ensemble. Voilà ce qui se passe. Moi-même, là, qui suis le manager, je suis fatigué de réconcilier. Je suis fatigué de toujours ceci, toujours c'est pas là, c'est cela, cela. Bon, peut-être que c'est sa façon de voir. Moi, c'est comme ça, je prends ça sur deux côtés. Je prends ça sur deux côtés. Donc, la vidéo nous a permis de comprendre que, vraiment, en réalité, ce qu'on voyait de façon chose n'était pas véritablement ça. Parce que quand j'ai entendu Ténor dire que, oui, il faut partir, c'est comme ça, c'est ceci, moi, je n'ai pas aussi apprécié les propos de Ténor dans la vidéo. Parce que ma petite sœur Miss Diona, elle aime Ténor. Elle aime Ténor. Je l'ai suivi de près. Elle aime Ténor de tout son cœur. Elle cherche un homme, elle cherche un mari, elle veut se marier. Donc moi, en tant que grand frère, je dois soutenir ma petite sœur dans son mariage. Mais en même temps, pour que ma petite sœur soit dans son mariage, je dois dire à ma petite sœur que là, tu n'as pas bien fait. Là, tu n'as pas bien fait. Là, tu n'as pas bien fait. Venez nous demander, nous on a de l'expérience, on va donner des conseils. Nous on est là pour donner des conseils. Ma petite soeur Nizio, avant que je ne parle de Ténor, moi je vais te dire que petite soeur, on ne frappe pas garçon. On ne menace pas garçon. Garçon là, c'est comme ton père. Garçon, il est comme ton père. On ne menace pas un garçon. On ne menace pas un garçon. Et puis en amour là, il faut laisser l'homme plus t'aimer. C'est-à-dire, la femme doit, lui, doit aimer, mais elle ne peut pas donner jusqu'à 200%. Hein? Jusqu'à 200%. Mais je suis aussi convaincu que Ténor t'aime beaucoup. Hein? Parce que le fait que Ténor quitte là-bas, il vient, toute la place publique, il t'aime beaucoup. Mais seulement, je sais que nos ancêtres, là, ils sont passés par là-bas. Nos ancêtres du village, ils sont passés par là-bas. Ils voulaient détruire ce couple-là, mais ils ne vont pas arriver, petite soeur. Moi, je suis là pour te donner conseil. Hein? Parce que quand ça arrive comme ça, c'est que les ancêtres sont dedans. C'est tellement beau. C'était tellement bien parti que je suis convaincu que les ancêtres sont passés là. Ça veut dire que les mauvaises personnes, c'est-à-dire les sorciers là, ils sont rentrés dans ça. Donc, chers amis, vous allez dire à ma petite soeur que Zasso dit, ce qu'il a vu là, Dieu l'a vu, tout ce qu'il a vu. C'est-à-dire façon tu as poussé tes noms, par là. Et puis ce que je voudrais te dire, petite soeur, moi j'ai vu ta tenue des choses de karaté. C'est-à-dire, quand on porte la tenue là, ça là, tenue là, où on porte ça là, tenue là, quand on porte ça là, ma petite soeur, ça là, tu vois tenue là, ça là, quand on porte ça, puis on a senti noir, là, on ne fait pas par là. C'est interdit. Toi-même, tu sais que ça là, quand tu portes là, tu ne dois pas faire par là, bah, garçon. C'est interdit. Quand tu portes ça, ça veut dire que votre discipline même interdit ça. Quand tu portes tes tenues des choses dans ça, là, tu dois pas. Moi-même, là, en Suisse, là, moi, j'apprends karaté. On m'a dit que quand tu as tenu, là, tu ne dois pas chercher palabre, tu ne dois pas faire bagarre. C'est strictement interdit par la loi. Tu ne peux pas porter tenue des choses comme on appelle taekwondo ou des choses, et puis tu vas aller faire palabre. Tu vois, ça ne se fait pas, ma petite soeur. Quand tu portes ça, tu dois être douce. Tu dois être gentil. Tu dois savoir parler à ton mari. Tu dois, c'est la communication, tu dois savoir communiquer. Parce que toi là, tu es là pour apporter la paix. Tu as vu, quand on porte ça, on ne fait pas par là à son mari. Ma petite soeur, quand on porte ça là, on n'attrape pas le coup de son mari. Tu as attrapé son cou là, il pouvait mourir là. Tu as attrapé son cou là, il pouvait mourir là. Et puis quand ton mari dit, il est fâché, il n'est pas content, il faut te calmer, c'est ton mari. Tu dis, ok bébé, j'ai compris, bébé, ok d'accord. Quand il dit, il est fatigué. Mais il faut le laisser aussi se reposer, petite soeur. Comme moi, je n'ai pas ton numéro, c'est ici que je parle. Tu le laisses se reposer, tu sais que c'est une star. Tu vois, les concerts, les trucs, c'est beaucoup de pression, c'est tellement de choses. Donc, quand il te dit, bébé, je vais me reposer, toi-même, tu cherches un endroit, tu ne mets pas une sur lui, tu le couvres bien, tu le laisses dormir. Souvent, même, tu fermes son téléphone.
Voilà, tu dis aux gens, laissez mon mari se reposer parce qu'il vient d'un grand conseil. Hein? Ma petite soeur, vidéo que j'ai vue là, c'est pas digne, hein? C'est pas digne de notre famille. Voilà, ça c'est pas digne d'une Ivoirienne, hein? Ce que tu as fait là, faut plus refaire ça encore. Ce que tu as fait là, faut plus refaire ça. Pour ces garçons, tu vois son ami qui était là, on a l'impression qu'il était habitué à ça. Non, pour une fois, il voulait vraiment mettre ça sur la place publique. Mais la malfaite, il pouvait venir dire à ton papa, il pouvait même m'appeler pour dire, Zasso, viens, mais voilà un problème dans le couple, tu vas parler à ta petite soeur. Moi, je pouvais venir parler à Enis Zion. Hein? Moi, je te vois, tu fais de très bonnes vidéos, tu conscientises, mais l'erreur est humaine, ma petite soeur. L'erreur est humaine. Ça arrive partout. Le fait de porter plainte là, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans plainte là, petite soeur. Plainte là, il faut laisser. Voilà. Moi, je ne vais pas être long. Il faut laisser plainte. Il faut aller te réconcilier avec ton mari. Il faut aller lui demander pardon. Il faut montrer au monde entier que tu es une grande dame. Moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ce que je sais, c'est que l'amour qui a commencé là, ça ne doit pas s'arrêter. Ça ne doit pas freiner. Personne ne doit bloquer ça. Parce que quand c'est comme ça, on a l'impression qu'en réalité, au début là, ce n'était pas sincère et que ce n'était pas un amour spirituellement où Dieu même était dedans. Alors, moi, aller porter plainte là, moi, ce n'est pas normal parce que moi, je crois et je suis convaincu que Dieu est dans votre relation. Donc, ma petite soeur, il faut arrêter ta plainte, il faut aller voir ton mari, asseyez-vous. Parce que vraiment, moi, je ne veux pas, il faut fermer la bouche des Makoso et autres là qui aiment ça, eux là, ils vivent des buzz. Les Makoso là, eux là, ils vivent des buzz. Et leur problème là, ils vivent des conflits. Là où il y a pas là, leur page Facebook va marcher, YouTube va leur donner l'argent, Facebook va leur donner l'argent, donc ils n'ont pas de limites. Ils n'ont pas de limites. Voilà. Donc ma petite soeur, moi sincèrement devant Dieu, en tout cas le comportement n'était pas bon. Je ne veux plus jamais te voir dans ces états. Arrange-toi à contrôler ton mari. La communication doit être le pouvoir dans votre relation. Et ma petite soeur chérie, tu es tellement jolie que c'est vraiment, je n'ai pas vraiment apprécié ça. Il faut arrêter les coups de poing dans ton conflit, dans ton foyer. Les vrais coups de poing sont au lit. Tu te plains, tu dis non, pourquoi il t'a touché ma tête? Mais il a bien fait de te toucher ma tête. Un garçon, ce n'est pas toutes les femmes ont touché ma tête, ma petite soeur. Ce n'est pas toutes les femmes ont touché ma tête. Quand un homme touche sa femme ma tête, quels que soient les problèmes, et puis t'as touché ma tête, c'est que tu es la meilleure des femmes. C'est que tu es la meilleure des femmes. Une femme qu'on touche ma tête là, c'est spirituel, ma petite soeur. Envoyez ma vidéo à Enis Zion, dites-lui que Zasso dit, ton grand frère Zasso dit, moi j'ai grandi au village auprès de mes grands-parents. Moi, j'ai fait toute ma vie au village. Donc, j'ai une certaine sagesse. Une femme qu'on touche matin bonnet, là, tu es une femme bénie. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on touche matin bonnet. Hein. Tout ce qui s'est passé, matin, elle est venue te toucher. Mais, ma petite soeur, il veut te dire que par là, c'est fini. Il t'aime. Parce que matin, l'âme, là, c'est bien reposé. Le corps, c'est bien reposé. Tout, c'est bien reposé. Toi-même, tu sais. Dans la journée, il y a le stress, il y a la pression, il y a beaucoup de choses. Maintenant, matin, il dort bien. Il a bien dormi, il se réveille. Le corps, spirituellement, les ancêtres, toi-même, tes ancêtres, tout s'est calmé. Et puis, matin, il te prend. Hé, ma petite soeur, il fallait m'appeler. Si tu avais mon numéro là, tu m'appelais, tu dis, Zasso, voilà ce que tes noms ont fait. Matin, on n'allait pas arriver à là. Moi, j'ai dit, petite soeur, tu allais avoir le contrôle de la situation, même sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à ce que Dieu vous sépare. Jusqu'à ce que Dieu vous sépare. Mais si vous écoutez les Makoso et autres qui sont sur les réseaux sociaux, qui vivent des réseaux sociaux, à part Facebook ou YouTube, là, bon, ils n'ont plus de saut, donc c'est là qu'ils viennent, ils insultent, ils racontent du n'importe quoi parce que c'est là qu'ils vivent. Ma petite soeur, tes notes t'a touché matin bonnet parce qu'ils t'aiment. Il t'aime, c'est le matin que nos ancêtres travaillent. C'est le matin que nos... C'est-à-dire la nuit, c'est-à-dire quand tu dors de choses jusqu'à 4 heures, 6 heures, 5 heures, c'est là l'esprit des ancêtres sont dans l'homme. Là, si tu t'as mis dans ses bras, il t'a fait l'amour, il faut dire que tu es une femme bénie. Hein? Tu dis, il t'a touché pourquoi? Il t'a touché, mais il devrait te toucher, il fallait qu'il te touche pour te montrer que chérie. C'est ça. Maintenant, tu dis, tu vas partir. Hein? Lui t'a déjà touché et tu dis non, toi tu vas partir. Tu dis bon, faut partir. Tu as dit tu vas partir, non, faut partir. Mais ça, c'est des petits trucs qui arrivent, ma petite soeur. Hein? Il faut que tu retournes dans ton foyer. Il faut que tu retournes dans ton foyer. Ta plainte là, c'est moi qui te dis ça. Hein?
Moi, Zasso, je ne me suis jamais mêlé de tes trucs. Plainte, on est en train de te distraire, va déposer plein là. Aucune justice sérieuse ne peut accorder du crédit à ça. Avec les images qu'on a vues, c'est-à-dire, ça montre aux yeux du monde que tes noms est traumatisé, tes noms est agressé, tes noms est violenté, tu n'en as pas d'espoir, ça veut dire qu'il n'y a pas... Non, c'est ce que la vidéo était en train de démontrer. Maintenant, ma petite chère, toi, tu dois te ressaisir. Tu sais, la force de l'homme, c'est de savoir reconnaître ses faiblesses, ses erreurs. Tu reconnais ses faiblesses, ses erreurs. Il faut aller demander pardon à ton mari. Il faut aller demander pardon à Ténor. Parce que c'est Ténor que nous, on connaît. Ah oui, nous, c'est Ténor, on connaît. Il faut aller demander pardon à Ténor et Nizion. C'est ton grand frère Zasso, tu parles. Il faut aller demander pardon. Il ne faut pas écouter les conneries de Makoso là, et autres. Il ne faut pas écouter tout ça. Il faut que tu retournes dans ton foyer. Parce que 4h du matin, 5 matin, bonheur, t'a touché. L'enfant, tu dois sortir là. Ça, c'est-à-dire, il est en train de préparer une génération sereine. Un enfant, c'est-à-dire, de 4h du matin à 6h, ces enfants qui naissent là, ce sont ces enfants qui ont un grand pouvoir dans le monde. Voilà. Quand vous les voyez, les enfants sereins, calmes, qui sont puissants, qui réussissent là, c'est les enfants là de 4 à 6 heures là. Alors, toi, tu as touché à 4 heures du matin, tu t'en fais par là, petite soeur. Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, petite soeur. Faut pas faire ça, hein, petite soeur. Faut pas faire ça. Hein? Je pense que ce que j'ai vu là, mais après, je vais parler à Ténor. Mais comme tu es ma petite soeur, moi, je veux que tu sois dans ton foyer. Moi, mon combat, c'est que tu reprennes ton mari. Tu ne dois pas aller changer de mari encore. Il ne faut pas changer de mari. Tes noms, c'est ton mari. Tout ce qui s'est passé là, tu dois montrer aux yeux du monde entier que tu es une grande femme et que quand tu as commencé avec tes noms, c'est Dieu qui t'avait guidé. Mais dans la vie aussi, c'est toujours comme ça. Il y a des événements qui arrivent dans nos vies, des événements terribles. Mais c'est à nous de démontrer devant Dieu que tu nous as créés à ton image. Que toi, Dieu, tu nous as donné la sagesse. Ce qui s'est passé là, il ne faut pas laisser tenir. Parce que j'ai écouté les Camerounais, j'ai écouté les Camerounaises, j'ai écouté les Ivoiriens. Tous ces propos qui sont violents, c'est des propos démoniaques. C'est des propos démoniaques, des propos de sorciers. Ils n'aiment pas le bonheur des autres. Donc moi, en tant que grand frère, je suis venu te dire ce matin, petite soeur, il faut arrêter tes plaintes là, il faut arrêter ça. Parce que ce qu'on a vu là, normalement, quand on porte ça là, et j'insiste dessus, du moment que tu fais du karaté, tu commences à faire du karaté, tu dois pas violenter quelqu'un, tu dois pas, voilà. La tenue là, ça là, la tenue là, on ne porte pas ça comme ça. Quand tu portes cette tenue, tu dois pas faire palabre. C'est interdit, strictement interdit. Parce que moi-même, j'ai fait taekwondo. Moi-même, je pratique ça. Quand tu portes ça là, tu dois pas faire palabre. Donc, petit soeur, moi, c'était juste un petit conseil. Hein, il faut que, parce que pour Ténor, tu as trop fait. Moi, j'aime ta sincérité. C'est des genres de femmes que beaucoup d'hommes cherchent dans la vie. Il était dans les problèmes, tu t'es engagé, tu as donné ta vie, tu étais partout avec lui. Ce n'est pas maintenant là que tu vas te laisser distraire. Pour des palabres, ça arrive. Il y a des choses plus graves que ça, même des gens même dans le monde qui sont... Mais ils arrivent toujours à prendre le dessus. Tu vois, petite soeur, ils arrivent toujours à prendre le dessus. Tu dois démontrer, après ma vidéo là, je veux que dans quelques jours, j'apprenne que ma petite soeur allait se réconcilier avec son mari. Voilà. Et moi là, je vais parler à Ténor. Je vais parler à Ténor parce que moi, mon combat, ma petite soeur doit être dans son foyer. Je ne suis pas celui qui va participer à détruire le foyer de ma petite soeur. Parce que je veux des baises, non. Ma petite soeur doit être dans son foyer, nous là. En tant que grand frère, notre combat, c'est de dire à nos petites soeurs, là, tu as mal fait. Là, tu n'as pas raison. Sur ce plan-là, tu as raison. Mais à partir d'aujourd'hui, là, il ne faut plus faire ça. À partir d'aujourd'hui, il faut te comporter comme ça. Parce que vous êtes des célébrités. Vous êtes des célébrités. Vous n'avez pas intérêt à détruire cela. Vous avez déjà commencé à construire quelque chose. Ne laissez pas des individus vous détruire. Donc, ma petite soeur, ça, c'était mon petit message. Quand on fait karaté, là, on ne donne pas coup de poing. Le garçon, c'est comme le père. Quand tu portes la main à un homme, dis-toi que ton père que tu aimes, là, c'est lui que tu portes main. Pareil pour les hommes. Quand tu portes main à une femme, c'est comme si tu portais main à ta maman. Donc, ce que je suis en train de dire à ma petite soeur,
On ne frappe pas un garçon. On ne fait pas parler avec un garçon. Regarde la bouteille de champagne que tu as pris là. Hein? Matin bonheur, on t'a serré dans les bras. Regarde comment ça se termine. Mais c'est le diable. Je suis convaincu qu'on va chercher des pasteurs. Je vais confier ça à nos parents du village. Ils vont chasser les mauvais esprits, tout ça. Et puis vous allez reprendre leur relation. Parce que quand c'est comme ça là, c'est pas clair. Enis, c'est pas clair à faire comme ça là. On va aller fouiller dans la famille, on va voir des pasteurs, on va faire des prières, beaucoup de prières. On va faire beaucoup de prières parce que ça, on connaît ça en Afrique ici. Quand la fille commence à réussir, ça commence à aller, les sorciers les vont commencer à faire des trucs. Et puis ma petite soeur, un matin, se contrôle plus. Hein? Enis, je suis arrivé là, là, c'est qu'il y a problème, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est un problème spirituel. Nous allons régler ça. Personnellement, moi, je vais m'investir dans ça. Je vais m'investir dans ça. Je vais m'investir dans ça et puis on va trouver des solutions. Hein, je vais appeler tous les ancêtres du village. Voilà, et puis on va trouver des solutions à ça. Ok, ma petite soeur. Donc, maintenant, je vais parler à Ténor. Voilà, moi, c'est le grand frère Zassouan Global. Tu es mon beau. Tu es mon beau, mais tu sais, quand tu vis avec une femme, que souvent il y a certaines choses qui ne vont pas, il faut approcher les parents. C'est pour ça qu'il est souvent bon d'interpeller, approcher les parents. C'est-à-dire les parents sages là, nous les sages là. Voilà, approchez-nous. Parce que nous là, on est là pour aider à construire. Nous, on n'aime pas détruire. Nous, on a une expérience. Notre combat, c'est d'aider à construire. On n'est pas là pour détruire comme le fait Makosso. Avec ses vidéos à la con, raconter du n'importe quoi. Parce que lui, son travail, c'est ça. Voilà, lui, son travail, c'est ça, Makosso. Ton travail, là, c'est ça. Il va faire buzz. Au lieu de chercher à construire, lui cherche des buzz. Non, c'est pas normal. Petit soeur, moi, je suis ton grand frère. Ce que tu as fait là, moi, je ne peux pas te dire que tu as raison. Certainement, tu n'as pas raison. Parce que toutes les vidéos que j'ai vues, ça donne clairement des choses, tu n'as pas raison. Et je tiens vraiment à ce que tu t'excuses. Il faut t'excuser aux yeux du monde entier, maintenant à Ténor lui-même. Ténor, je t'ai dit, s'il y a problème, il faut aller voir le père de la fille. Elle a son papa, M. Zuno, qui est là. Tu t'envoies le père pour dire, ah papa, voilà ce qui ne va pas, maman, voilà ce qui ne va pas. Ils vont faire asseoir leur fille, ils vont lui donner des conseils. Tu peux même aller voir Asalfo. Asalfo, c'est l'ambassadeur de la paix. Asalfo est ambassadeur de la paix. C'est un homme très sage. Tu es un artiste, tu peux aller voir Asalfo pour dire à grand frère, vraiment ma femme là, il y a trop de stress, il y a trop de pression, il y a beaucoup de choses. Asalfo va parler à sa petite soeur. Hein? Tu peux aller voir Asalfo, il est ambassadeur de la paix, c'est lui qui crée les... Donc il peut t'aider. Hein? Faut plus jamais te battre avec ma petite soeur. Faut plus te battre avec ma petite soeur, et puis il faut l'écouter gentiment parce qu'elle t'adore. Elle t'aime beaucoup, ma petite soeur t'aime. Quand tu viens à Abidjan ici, vous êtes dans la cuisine, vous préparez, tu mets pas nos coups comme si on était avant au village. Mais tout ça, c'est beau à voir. C'est beau à voir, Ténor. Moi, ce conseil que je donne, hein, celle-là, elle peut apporter beaucoup dans ta vie. Parce que c'est une femme engagée, une femme déterminée. Ce genre de femme-là, on ne trouve pas ça comme ça. Mais du vrai, genre de femme comme Enis là, on ne trouve pas ça comme ça. C'est vrai, elle a ses faiblesses. Mais à toi de transformer ses faiblesses en une force. Si tu veux vraiment faire d'elle ta propre femme, à toi de transformer ses faiblesses en une force. Tu peux aller même dans ton village pour dire aux parents. Tu peux aller voir des pasteurs pour dire, ah, vraiment souvent ma femme a des crises, ma femme est ceci, ma femme est cela. Vous allez travailler ensemble les parents parce que c'est ce que tu veux. Il faut que tu me prouves que tu es vraiment sincère et que toi, dans cette relation où tu étais avec ma petite soeur, c'est parce que tu veux fonder un couple. Tu veux vraiment faire quelque chose de merveilleux avec elle. Donc, Ténor, il faut vraiment, toi aussi, faire aussi le pas. Hein? Il faut faire le pas, aller vers ta femme. Parce que la grandeur, c'est ça, les grands hommes. Vous êtes encore, on m'a dit que tu as 24 ans. Ça veut dire que tu es jeune. Moi, mon vrai conseiller, c'était mon grand-père. Mon grand-père a toujours été mon vrai conseiller. Tout ça, il faut s'habituer à ça, les petites colères, les crises, les quoi, mais c'est tout ça aussi qui, tu vois, non, voilà.
Moi, dans la vidéo, ce que j'ai vu, ma petite soeur, elle t'aime. Elle t'aime. Elle t'aime. C'est vrai, c'est parce que c'est trop. Elle a trop fait monter ça. Mais cette fois-ci, on va baisser un peu. Je vais lui dire de mettre un peu de nyamaku dedans. Et puis, toi, Ténor, là, ça va monter. Maintenant, cette fois-ci, Ténor, toi, c'est ton amour là qui va monter. Et puis, pour ma petite soeur, va descendre un peu. Parce que quand ça va descendre, en tout cas, tout sera stable. Tout sera stable. Voilà. Tout sera stable. Tu vois, non? Tout sera stable. Donc, en tout cas, félicitations à toi, à vous deux, hein, à vous deux, parce que vous avez bien commencé. Moi, je vous prie de bien recoller. Ou bien, chose, tu voulais dire quelque chose aussi? Tu n'as rien à dire? Je pense que j'ai déjà tout dit, non? Voilà. Donc, Enizio, il faut retourner en famille au Cameroun. Parce que tu es allé là-bas, tu es allé faire des choses. Tu as commencé à parler comme les Camerounais. Tu préparais la nourriture des Camerounais. Moi-même, Zasso, grand frère là, je n'ai même pas encore mangé ta sauce. Je n'ai même pas encore mangé foutu, nourriture de... Tu ne m'as même pas encore invité. Et puis déjà, tu t'as apporté plainte. Non. Faut quitter dans plainte là. Faut retourner dans le foyer. Parce que moi, je dois venir manger à la maison. Tu dois m'inviter. Ténor va payer ma bouteille de champagne. Vin, je vais venir boire. Voilà, je vais venir boire. Je vais venir avec certains Ivoiriens. Je vais venir avec Kéi Côte d'Ivoire. Je vais venir avec Kéi Côte d'Ivoire. Je vais venir avec Willy Dombo, le journaliste là. On va venir ensemble. On va venir aussi avec le grand frère Assal Faux qui est ambassadeur de la paix pour qu'on verse l'eau. J'irai moi-même voir le vieux Junot, ton papa. Je vais chercher à rentrer en contact avec lui. Voilà, parce que c'est un père. Son intérêt n'est pas qu'il cautionne ce qui se passe. Mais il doit faire de sorte que tout ça reprenne calmement. Donc, ma petite soeur, Saint-Dieu dit quoi? Saint-Dieu, toi, tu dis quoi? Saint-Dieu dit quoi? Saint-Dieu a dit la vérité. Un jeune de 24 ans, tu racontes quoi? L'amour n'a pas de frontières. Non, au contraire, même, elle est bien placée. Est-ce que Macron n'est pas devenu président en France? Macron est devenu président en France parce qu'il a eu une grande femme. Une grande femme bien organisée, disciplinée. Elle a réussi à réaliser le rêve de Macron. Le problème n'est pas qu'il soit ta ou ceci. Le problème, c'est l'éducation qui a été reçue et comment elle t'accompagne dans ta vie. Comment elle fait pour que tu obtiennes tes objectifs dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui ont des filles de temps et puis ça ne va pas dans leur vie. Il y a des gens qui ont des femmes de temps et puis ça ne va pas. Il faut trouver la femme juste qui peut t'accompagner dans ton combat. Voilà. Et moi, je pense que Enis Zion, et je dis à Ténor, Enis Zion, c'est la meilleure des femmes. Depuis la prison où toutes les femmes ont disparu, Enis Zion a pris le combat en main. Non, Enis Zion, là, elle est dans ta vie spirituellement. Elle est dans ta vie spirituellement. C'est parce qu'elle a confié ces choses à Makoso. Je lui ai toujours dit, j'ai dit Enis Zion, Makoso, là. Makoso, lui, il est dans Benge. Makoso, là, ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Il dit, lui, il est dans sa marmaille. Mais si vous confiez vos vies à la marmaille, mais vos foyers seront de la pure marmaille. Ça, c'est clair. Si vous confiez vos vies à la marmaille, mais la marmaille va vous suivre. Et la marmaille, là, ça crée le désordre partout. Hein? Donc, Ténor, j'ai vu aussi ce qui s'est passé. Tu as failli blesser ma petite soeur. Regarde comment tu l'as soulevé. Hein? Regarde comment tu l'as soulevé. Il faut que tu présentes tes excuses. Ténor, tu dois présenter tes excuses publiques. Il faut que tu présentes tes excuses. Voilà. Il faut aller vers ta femme. Il faut aller vers ta femme parce qu'il y a aussi des femmes, elles ont leur orgueil aussi. Souvent même, là, c'est qu'elles n'ont pas raison, mais elles veulent qu'on leur donne raison. Il y a des femmes là, c'est leur caprice, on va faire comme un petit frère. C'est leur caprice. Souvent même, elles n'ont pas raison, mais elles veulent qu'on leur donne raison. Donc, Ténor, il faut rentrer en famille, va dans la famille rapidement. Va voir le père, va voir la mère, il faut t'excuser. Prends ta femme, et puis voilà. Parce que moi, je veux venir au Cameroun. Voilà, je veux venir au Cameroun faire un petit tour là-bas. Faire un petit tour. J'ai trop d'amis camerounais. Maintenant, je vais finir par dire à certains cyberactivistes, à certains qui se disent blogueurs, évitez trop de mélanger votre affaire Côte d'Ivoire, Cameroun. Cameroun et nous, là, on n'est pas frontaliers. Cameroun et Côte d'Ivoire, on n'est pas frontaliers. Cameroun et Côte d'Ivoire, là, on n'est pas frontaliers.
Quelle palabre vous voulez, vous cherchez forcer par Cameroun, Côte d'Ivoire? Cameroun, Côte d'Ivoire. Nous, on a trop de problèmes. Voilà nos soldats qui sont actuellement au Mali, là-bas, on a 49 soldats. Comment on va faire pour que nos soldats soient libérés? C'est ça qui est notre priorité. Si vous avez besoin de faire vos baisses, enlevez la Côte d'Ivoire dedans. Si vous voulez faire vos baisses là, enlevez la Côte d'Ivoire dedans. Parce que où vous allez là, c'est très dangereux. Vous glissez sur des terrains qui sont très dangereux. Vous insultez, vous menacez, vous dites du n'importe quoi, mais arrêtez. À un certain moment donné, il faut arrêter. Parce que notre pays là, nous on a connu des crises. Hein. On a connu coup d'État. On a connu rébellion 2002, on a connu la crise de 2010, on a connu ASEC Kotoko, il y a eu des morts, il y a eu des violences, ça a été très terrible. Donc si vous voulez faire votre buzz, là, parlez de vous. Vous dites Ennis, Zion, mais Côte d'Ivoire, arrêtez. Arrêtez, à chaque fois mélanger Côte d'Ivoire, Cameroun. Cameroun et nous, on n'est pas même chose, au plan économique. Sur tous les plans, nous, on dépasse le Cameroun. La Côte d'Ivoire, là, n'est même pas amie au Cameroun. Un pays qui peut parler aujourd'hui, c'est Ghana, Nigeria, Tanzanie et autres. Mais Cameroun ne peut pas parler devant nous. Ça dit tellement, vous n'avez rien à faire. Vous mélangez le problème de Côte d'Ivoire, toujours Cameroun, Cameroun. Si vous aimez les Camerounais, allez-y, restez au Cameroun. Allez-y vivre au Cameroun. Si vous aimez le Cameroun, allez-y vivre au Cameroun. Les gens se battent pour faire la promotion de leur pays de façon chose à faire avancer leur pays. Cameroun ou quelqu'un au pouvoir pendant 40 ans, il n'y a pas élection, il n'y a rien, il y a un vieux qui est assis là. Et à chaque fois, Cameroun, 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 Cameroun. Non, quand même, c'est exagéré. C'est exagéré. Vous allez aller provoquer les filles impolies qui n'ont pas de respect, qui sont au Cameroun là-bas, et qui vont insulter toute la Côte d'Ivoire, qui vont nous insulter à chaque fois. On sait que les réseaux sociaux vous permettent de vivre. Ça vous permet, YouTube vous donne l'argent. On sait. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ils sont assis sur les réseaux sociaux. Quand on insulte maman, des gens, ils sont contents. Quand on insulte des gens, ils sont contents. Mais eux, là, ils gagnent l'argent dans ça. Ça dit, eux, ils insultent les mères des gens pour avoir l'argent sur YouTube. Ça dit que lui, là, il prend ta maman pour avoir l'argent. Il insulte ta mère pour se faire de l'argent. Donc, si tu dois prendre ma mère pour faire ton commerce, tôt ou tard, moi, je vais t'attraper. Tôt ou tard, je vais t'attraper. Parce que je sais que quand ils seront dans le problème, vous ne pouvez rien faire. Moi, j'ai vu trop de choses pires ici. Il y a des gens qui font sur vidéo, ils m'envoient des menaces. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, le pays a changé. Ils envoient des menaces, ils ne savent pas que... Je prends une capture d'écran. On arrive chez eux à la maison. Il a oublié l'affaire, ça fait un an, deux ans. Et puis je viens, je dis, voilà, capture. Ou tu dis, si moi, il rentre en Côte d'Ivoire, tu vas me tuer. Maintenant, les parents sont obligés de venir demander pardon. C'est les parents là qui courent maintenant pour demander pardon. C'est des parents, ceux qui le soutenaient, qui applaudissaient, ils ne sont plus là. C'est ça qu'on appelle Zié. Voilà, quand il y a Zié, les gens crient, ouais, 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 ouais. Ça c'est Zié. Mais quand il y a un problème là, il n'y a personne. Quand il y a un problème là, tu n'as personne. Tu vas voir que tous ceux qui ont crié, crié là, c'est juste pour te distraire. Sinon, dans le fond, ils ne t'aiment pas. Des gens qui t'aiment, qui sont honnêtes, qui sont sérieux. Tu es un père, qui est une mère, ne peut jamais encourager des gens à insulter maman des gens. Si ils ont des filles, ils ont des femmes, ils ne peuvent jamais encourager quelqu'un pour être. Tu veux argumenter, tu argumentes. Tu veux parler, tu parles. Mais des hommes bien éduqués, responsables, ne peuvent pas encourager des gens à insulter les mères des gens. Non, tu l'as fait, c'est que tu es irresponsable, ou tu es immature, ou tu es inconscient, simplement. C'est comme ça que moi je vois la chose. Parce que moi je vis dans des pays où les gens sont bien éduqués. Les gens sont tellement bien éduqués qu'ils ne sont pas des bêtes. Vous voulez faire la politique, vous faites la politique. Tu veux faire la politique, tu argumentes, tu parles, tu convaincs, tu rassures. Mais si tu dois venir t'asseoir pour insulter des mamans, et des gens pensent que comme ils sont en panne d'idées, ils n'ont pas d'arguments, ils sont pauvres dans la tête, ils s'accrochent à ça, nous on rit. On rit parce qu'on est habitué à ça. Ça fait des années qu'on est dedans. Le chef de l'État, on insulte sa maman. La première dame, on l'a insulté. Amadou Gon Coulibaly, on l'a insulté. Ahmed Bakayoko, on l'a insulté. Gbagbo lui-même, on l'a insulté sa mère. Donc, quand je vois ça et puis je vois des gens, je dis, mais ils sont idiots. Ils sont simplement idiots. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent.
Voilà. Comment des gens hier, tu insultais la mère de ton président. Aujourd'hui, insulte maman des autres, toi, tu es content. C'est que tu es inconscient. C'est-à-dire, toi et lui, vous êtes dans la même cuvette. Vous êtes dans la même cuvette. Mais quand ce problème va commencer là, vous ne serez pas là. Ça m'a dit ça toujours. Il y a des choses qu'on a vues. Il y a des gens qui ont bavardé. Quand c'est chaud maintenant là, ils viennent vers nous. Non, vraiment. J'ai dit, mais hier, quand tu parles là, il faut aller t'assurer ta page. Puis, il faut appeler tous tes gars, ils vont venir te soutenir. Il faut les appeler, ils vont venir te soutenir. Ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas sérieux. Voilà, ils vous poussent. Donc, je voulais dire une décision et chose. En tout cas, moi, je compte sur vous. Montrez aux yeux du monde entier que vous avez atteint une certaine maturité. Et je dis, la force dans un couple, c'est la communication. Voilà, prouvez-nous, moi, je ne veux pas cette séparation. Je suis contre cette séparation. Mais je suis d'accord que des choses peuvent arriver dans la vie. Les grands hommes politiques dans ce pays qui ont réussi ont connu des moments de difficulté. Les grands hommes qui ont réussi dans leur vie ont connu des moments de trouble. Ils ont connu des moments difficiles. Il y a eu la sécheresse, il y a eu les tremblements de terre. Il y a eu tellement de choses dans leur vie. Mais ils ont réussi à surmonter ces événements. C'est comme nous autres. Ils ont réussi à surmonter ces événements. Donc, tenons. Élision, c'était le grand frère Zassou en global. Moi, je vous attends. Je suis prêt à aller voir mon grand frère Assalfo pour que Assalfo, les débordants, eux tous se mêlent de cette réconciliation. On va voir les vrais hommes de Dieu sages comme Sanogo. Les hommes de Dieu sages comme Sanogo, ils vont prier. On va prier pour votre couple. Voilà, on va prier pour votre couple. Moi-même, je vais aller voir le père, la mère. J'irai aussi au Cameroun. À médiateur. Voilà, je serai le médiateur pour que les choses aillent vite. Parce que moi, je suis un médiateur, je ne suis pas dans les faux coups. Je dis ce qui est juste. Si tu ne veux pas, moi, je laisse ça à Dieu. Et puis, je passe à autre chose. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était juste mon petit message au couple ténor. Alors, Élision, plus de coups de poing. Le dialogue doit primer sur les coups de poing. La communication doit primer sur les coups de poing. Ténor, plus de coups de poing. Voilà. Faites beaucoup, beaucoup d'amour. Soyez ensemble. Embrassez-vous. Soyez toujours ensemble. C'est ça l'amour, les bisous, les quoi. Ma petite soeur a besoin de ça, Ténor. Arrête de stresser, ma petite soeur. Voilà. Elle t'aime. Élision n'a pas besoin de stress. De toute façon, tu es stressé. Là. Elle aussi, elle est stressée. Voilà. Elle n'a pas besoin de ça. La Zion. Donc, j'attends que tu colles les choses pour que tu me dises que. Tu es prête à... Voilà. Il ne faut pas tomber dans le jeu des mauvaises personnes. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Ah, c'est Zunon. Lanceur de Corrie dit c'est Zunon. Mais c'est ça, j'ai dit Zunon là. Oui, Yves Koudou, il faut que les gougnons là, les gouzigougnons là, les sorciers qui ont voulu détruire ce couple là, au nom de Dieu, ce matin là, Je les chasse. Je les chasse. On va marcher sur eux. les gougnois qui sont rentrés dedans là. Ils n'ont qu'à s'éloigner. En tout cas, portez-vous bien. Hervé Moussa, Zasson, c'est comme ça. On t'aime depuis Guyane. Cher frère, merci mon frère. Toi, tu es dans un bon pays, donc c'est normal. Tu es dans un bon pays. En tout cas, sois salué. Mais tu m'envoies ton WhatsApp. Hein? Je dois faire un tour là-bas. Voilà, je dois faire un tour là-bas, je dois venir là-bas. Donc, envoie-moi ton WhatsApp. Tu sais, moi, je suis un commis voyageur, je fais le tour du monde. Donc, envoie-moi ton WhatsApp, ton numéro. Il faut que je vienne à Guyane. Je vais venir à Ténor et Nice Zion. Voilà, moi-même, je vais gérer les billets. Voilà, on va les réconcilier, on va aller là-bas, ils vont faire au moins 2-3 jours comme ça. Voilà, c'est moi qui vais gérer les billets maintenant. Donc, merci à vous tous, hein, partagez la vidéo. Ivaipo. Le gars, oui, j'ai grossi, c'est vrai, c'est le problème. Il va y poser, j'ai trop de problèmes, oh, j'ai trop de problèmes. C'est le problème qui me font grossir. C'est le problème, c'est le stress. Sinon, c'est pas ma forme normale, ça. C'est le stress. Quand ça va aller, tu vas voir, je vais baisser. Je vais baisser, hein, mon frère. Je suis content de te voir. Yves Koudou, en Tunisie. Je serai en Tunisie, c'est tout prêt là, Yves. Envoie-moi ton numéro seulement. On fait un programme, moi je vais en Tunisie. Parce que c'est un pays que je veux connaître. Je connais Maroc,
Je connais l'Algérie, mais je ne connais pas Tunisie. Donc, tu m'envoies ton numéro, je viendrai là-bas. Hein? Voilà. Easy dit frappe, tu, femme qui frappe son mari doit être jugée. Ce n'est pas ma petite soeur, on va juger, pardon. Pardon, on ne va pas juger ma petite soeur. Ma petite soeur amoureuse. On va régler ça gentiment. Elle aime son mari. Elle nous a démontré qu'elle aime Ténor. Voilà. Elle a été claire. Elle dit, on est ensemble. Tu vas me sentir. Moi, tu vas me quitter, moi, Zio. Mais la raison, mais elle veut, c'est son mari. Et c'est ce qu'elle veut. Donc, nous, on doit faire de sorte qu'elle reste là. Elle ne doit pas partir. Hein? Coup de poing. C'est l'amour qui fait ça. Ça, là, c'est amour. Femme, ma fille, vous ne la connaissez pas. Elle lui a dit qu'un amour, là. Tu veux ou tu ne veux pas, on est dedans. Voilà. Tu veux, tu ne veux pas, on est dedans. Aïe! Tu as fini d'embrasser ma petite soeur le matin pendant 6 heures. Est-ce que Ténor même sait ce qu'on appelle 6 heures même? Est-ce que Ténor connaît les origines de entre 4 heures et matin? Hein, tu m'as touché le matin là. Je t'ai dit quoi? Tu m'as touché. Mais elle sait ce qu'elle veut dire. Ah oui, elle sait ce qu'elle veut dire. Tu vas toucher ma petite soeur matin bonheur. Et puis après, tu lui dis que non, faut partir. Je t'imprime, je ne vais plus parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Vous n'avez encore rien vu, hein? Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Bon. En tout cas, Dieu vous bénisse. Et puis. Non, Bekam Sek. Bekam Sek. Moi, j'ai toujours mangé. Depuis mon enfance, j'ai toujours mangé. Depuis mon enfance, j'ai toujours mangé. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Ça n'a rien à voir avec le RDR. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours mangé. C'est vous qui pensez que les partis politiques, là, c'est pour les idées. On ne vient pas dans le parti politique pour manger. On vient, ça dit c'est de façon volontaire. Tu viens te mettre au service de ton pays. Voilà, autant de Gbagbo, vous avez mangé jusqu'à le résultat, on a vu. Ça dit tellement vous aimez manger, on a vu le résultat. Vous avez mangé, le résultat a fait qu'on a connu rébellion, on a connu coup d'état, le pays, l'instabilité totale. Parce que vous, votre problème, c'est manger. Moi, Dieu m'a béni. Partout où je passe là, ce n'est pas homme politique qui me fait. C'est-à-dire, du Ghana, Europe, partout, ce sont mes propres relations qui font que je suis ce que je suis. Donc, ça suffit. On vient en politique pour servir les autres. On vient en politique pour servir les autres. Monsieur Piripara Poro, Piripara, depuis là, tous les jours, Zasso va travailler. Comment je gagnais l'argent, toi tu n'avais pas l'argent. En fait, souvent je vous regarde, mais vous appelez quoi travail même? Travail pour vous là même, c'est quoi? Ça dit souvent, je pose toujours les questions aux gens. Ça veut dire quoi travail là? C'est quoi travail? Il y a des gens qui travaillent, qui sont malheureux, qui n'ont rien. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin même d'aller dans les... Ça dit, de façon, tu souffres, puis tu as peur de travail là. Et ils n'ont pas besoin de ça. Nous, on atteint notre niveau. Nous là, on atteint un niveau où on n'est plus à ce stade. C'est-à-dire, nous là, maintenant notre combat, faire de sorte que les gens travaillent. C'est-à-dire, nous, et puis on les paye. C'est-à-dire, nous, mon combat maintenant, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que moi, je suis assis là, et puis je paye les gens, leur salaire, je donne. Voilà, ça, c'est mon combat maintenant. C'est ça là, mon combat. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours vos commentaires. Tu ne sais même pas comment mes maisons coûtent. Tu ne sais même pas comment je vis. Tu ne sais même pas combien je dépense par mois. Tu ne sais même pas. Et puis tu es là. Je ne sais pas. Tu as pas... Moi, je ris souvent. Je vous vois dans vos commentaires. C'est des petites haines. C'est tout. C'est des petites haines. Ça, on appelle ça la petite haine. Tu comprends? Toi, tu dis que tu travailles, mais tu es malheureux. Il y a des choses, mais tu ne peux pas t'acheter, que tu ne peux pas donner à ta famille. Alors que tu dis que tu travailles, mais tu es malheureux. Mais ce n'est pas un travail. Tu es un esclave. Tu es un esclave, tu es pauvre. Et ton raisonnement est un raisonnement d'un pauvre. C'est-à-dire tu es mentalement pauvre. Parce que si tu as affaire à ma personne, c'est que tu n'as rien à faire. C'est-à-dire depuis que moi je suis né, j'ai travaillé avec mon grand-père jusqu'à je suis devenu Zasso. C'est-à-dire j'ai commencé au village, dans le champ de mon grand-père. Donc tu n'as rien à m'apprendre de la vie. J'ai commencé dans le champ de mon grand-père. Toute ma vie, même quand j'étais au collège, j'avais des champs. C'est-à-dire, tous les week-ends, je suis au village. Je vais faire mon champ de manioc, je vais faire tant. Et je payais même mes études.
Donc, tu n'as rien à m'apprendre de la vie ou d'un travail. C'est parce que tu es idiot, tu es inconscient, ou bien tu as une sale haine en toi, c'est tout, tu es jaloux. En fait, en somme, tu es un aigri. Tu es un aigri, tu es jaloux. C'est tout, c'est la jalousie. Moi, mes billets d'avion que je prends, aller-retour là, c'est cher. Je vais à Abidjan même par mois, je peux aller deux fois. Dans l'année, je peux rentrer en Côte d'Ivoire quatre fois. Tu ne sais même pas combien je dépense. Mais demande-toi, mais comment il fait? Et puis, il est toujours dans les avions, partout. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu es là, tu penses que c'est ce que vous faites là? Moi, là, je suis... Dès que je... Regardez, mais vrai, on est exploité. Hein? C'est qu'on appelle, on appelle ça de l'exploitation. Aujourd'hui, là, on doit faire de sorte que nous-mêmes, là, on soit à notre propre compte. On doit maintenant... Ce n'est plus nous de travailler pour les gens. Nous, on doit créer les conditions pour que les gens travaillent. En fait, c'est dans cette gamme que Zasso est. Moi, je ne suis pas mentalement pauvre comme vous. Vous êtes mentalement pauvre. Des pauvres cons comme ça. Donc, chers amis, dites à... Comment elle s'appelle? Enus Zion, que voilà, Zasso a fini, le grand frère a fini. En tout cas, j'attends. Mais qui est modérateur ici? Je vois que modérateur de ma page. Donc, portez-vous bien et je dis à Enus Zion, je dis à Sos, en tout cas, je les encourage. J'attends leur réconciliation. Et qu'on assemble, portez-vous bien. Et puis, voilà, Dieu vous bénisse.